et bienvenue dans mon atelier. Je m'appelle Céline et je suis la designer et professeure de tricot pour la marque Mademoiselle Pétronille. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast dédié au tricot et à la laine en général. En effet, pour toutes les personnes qui découvraient cette vidéo et cette chaîne, sachez que cette chaîne est dédiée à ma passion pour le tricot et les arts de la laine, les arts du fil. Et je partage particulièrement dans ces épisodes de podcast toutes mes créations autour du tricot et aussi parfois autour du crochet, en sachant que je dédie ces vidéos à la fois à mes créations en tant que professionnelle, c'est-à-dire en tant que designer tricot, mais aussi en tant que passionnée comme vous, en tant que tricoteuse et donc du coup du tricot comme loisir, mais aussi voilà toute la passion que je peux avoir pour faire mes vêtements et mes accessoires par moi-même. Je tiens aussi, avant de commencer cet épisode, à vous remercier immensément car vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à rejoindre cette chaîne. J'ai vu que nous approchons bientôt les 3000 abonnés. Donc merci énormément. Sachez que cela m'encourage de plus en plus à partager avec vous ma passion et un petit peu des coulisses de mon métier. Vous aurez remarqué que pour cet épisode, j'ai fait une intro un peu différente. C'est vrai que j'aime bien partager en général en introduction de mes épisodes de podcast des petites images de mes balades dans ma région puisque j'habite en Savoie, plus particulièrement à Chambéry, et que j'ai la chance d'avoir un environnement très très privilégié. Bah, il se trouve que ce mois de novembre je ne suis pas beaucoup sortie et j'ai énormément travaillé, mais par contre j'ai souhaité partager avec vous quelques images de mon week-end culturel à Paris. Donc c'est pour ça que pas de beaux paysages savoyards pour cette fois-ci, mais promis, ça ne saurait tarder de revenir dans les prochains épisodes. Ce qui voudra dire aussi que voilà, je suis un peu moins chargée au niveau travail et que j'ai un peu plus de temps pour sortir et me balader. Voilà, juste, je vous annonce le sommaire de cet épisode. Vous allez voir qu'il est assez chargé au niveau des ouvrages terminés, puisque j'ai beaucoup de choses à vous présenter en ouvrages terminés, et surtout, alors pardonnez-moi, je sais que peut-être ça intéresse moins de personnes lorsqu'il s'agit de mes sorties de patron, mais il se trouve que là, l'essentiel de mes ouvrages terminés sont des ouvrages dédiés à ma marque Mademoiselle Pétronille. Donc il va y avoir trois grands ouvrages, on va dire deux ouvrages terminé de sortie de patron, et également trois petits patrons que j'ai regroupés en un set qui va être aussi une sortie sur le mois de décembre. Donc ça c'est pour la partie ouvrage terminé, et ce que j'ai décidé aussi c'est de partager avec vous, de faire le tour un petit peu de tous mes encours, tous mes sacs en cours, puisque j'avoue que j'ai pas eu beaucoup le temps de tricoter pour moi de manière personnelle ce mois-ci. Et j'ai besoin de savoir un petit peu où j'en suis au niveau de mes encours. J'en ai beaucoup, enfin pour moi je trouve que j'en ai beaucoup. Donc j'ai décidé de faire le tour avec vous. Ça sera un petit peu improvisé cette partie, mais je vais ouvrir mes sacs à projets, voir un petit peu comment je vais m'organiser pour avancer mes encours tricot du moment. Et enfin je conclurai cet épisode par bien sûr ma petite section préférée, c'est-à-dire mes coups de cœur du mois. Et ben je vais commencer tout de suite et je vous annonce donc la rubrique des ouvrages terminés. Mon premier ouvrage terminé, c'est un patron qui est sorti, donc un modèle que j'ai designé qui est sorti le 16 novembre dernier. Vous l'avez sûrement vu sur les réseaux sociaux et sur mes boutiques Ravelry ou Etsy. Il s'agit du cardigan qui est là à côté de moi. Il s'agit du gilet gentiane. Alors le gilet gentiane, je vais pas vous l'approcher trop parce qu'après j'ai peur que vous ne le voyez pas en entier sur le mannequin, mais je viendrai déshabiller le mannequin et vous montrer plus précisément les détails de ce gilet. Il s'agit de la deuxième pièce que j'ai travaillée en collaboration avec Anna de la boutique Lana et Tricot à Grenoble, puisque nous avons décidé pour cette rentrée automnale de mettre en place une petite collection que j'ai intitulée ma garde-robe au quotidien, et dans laquelle je souhaite proposer des designs, des patrons de tricot qui soient
Facile à réaliser et simple à porter. Ou simple à réaliser et facile à porter. Donc ce sont des basiques. Une manière aussi d'entrer dans le tricot circulaire de manière peut-être pour la première fois, pour débuter. Puisque Anna s'est rendue compte avec les demandes qu'elle avait de ses clientes en boutique, particulièrement les personnes qui viennent en boutique, qu'elle voulait, elle souhaitait découvrir le tricot circulaire, mais qu'elles n'avaient pas forcément, savaient pas forcément vers quel patron se diriger et vers quel modèle aller. Donc on a réfléchi, elle m'a proposé si je voulais designer spécialement une petite collection pour permettre à ces personnes, vous permettre aussi à vous, de découvrir et de vous, de mettre un pied dans le tricot circulaire, en tout cas sur les techniques de tricot de vêtements sans couture. Puisque là, nous travaillons sur un cardigan, nous combinons à la fois des techniques de travail de tricot en aller-retour et en circulaire. Donc juste pour information, vous pouvez également trouver les kits prêts à tricoter sur la boutique en ligne de Lana et Tricot si vous souhaitez réaliser ce gilet gentiane. Alors j'avais décidé pour un petit peu démarquer du reste de mes designs que les noms que j'allais donner à mes patrons de cette collection allaient être des noms de fleurs de montagne et plus particulièrement des fleurs des Alpes. D'où la gentiane. La première pièce de la collection c'était le pull Edelweiss pour des personnes qui ont eu déjà d'autres épisodes de podcast ou qui connaissent bien mon travail. Voilà, ça fait partie de cette collection là. Revenons à notre gilet gentiane. C'est un petit cardigan qui n'est pas très long comme vous pouvez voir, mais bon après vous êtes toujours libre de le rallonger si vous le souhaitez, que j'ai conçu plus comme une petite veste, type petite veste Jackie Kennedy, très facile, très simple, très classique, donc facile aussi bien à associer avec un pantalon, un jean, une petite jupe, une robe, enfin voilà, vraiment on peut, l'idée c'était de pouvoir mettre ce gilet avec tout type de tenue que vous avez dans votre garde-robe. Il est tricoté en top-down, c'est-à-dire du haut vers le bas. Il est quasiment tout en jersey avec des détails de points mousse sur le bas du corps et sur les manches. Au niveau de la construction, on commence par le haut, c'est-à-dire on va monter les mailles pour l'encolure. On va placer les marqueurs pour placer les manches raglan et on va tricoter en formant à la fois le creux de l'encolure devant, mais aussi en formant les augmentations raglan, vous voyez, pour toutes les parties du gilet. Donc c'est vraiment un classique raglan. On tricote tout en jersey. La particularité, c'est que je vous propose de tricoter les pattes de boutonnage en même temps. Les pattes de boutonnage sont réalisées au point mousse. Il se trouve que ça fonctionne avec ces fils-là, après je vous expliquerai ce que j'ai utilisé comme fil, puis même mes testeuses me l'ont confirmé, il n'y a pas de souci, il n'y a pas trop de différence entre le nombre de rangs pour le point mousse et le nombre de rangs pour le jersey, ce qui fait que vous n'êtes pas obligé de mettre en place un système de rangs raccourcis pour la différence d'échantillon entre les deux points. Ensuite, donc, quand on arrive au niveau des bras, on met les manches en attente, on tricote le corps est tricoté tout droit, il n'y a pas de forme au niveau de la taille. On laisse les mailles des manches en attente, on tricote le corps tout en jersey et arrivé à une certaine hauteur, une longueur de corps, donc c'est à vous de voir, moi je vous fais des propositions, mais c'est là que vous pouvez tout à fait rallonger votre gilet. Je vous propose de tricoter une large bande de points mousse en bas de l'ouvrage, ce qui fait un petit peu l'effet veste du gilet, c'est ce qui donne à mon avis, le côté un peu, qui twiste un peu ce modèle et qui lui donne un côté un peu plus élégant qu'un simple gilet en jersey. Quand on a fini de tricoter le corps, on vient, là je vous suggère aussi un rabat, vous verrez il y a des vidéos hein, tout au long de mes patrons pour vous aider et vous accompagner, que ce soit pour, au début il y a quelques rangs raccourcis aussi pour relever l'encolure d'eau, mais c'est aussi comment monter des mailles en boudran, et je vous suggère un rabat particulier pour finir le corps, mais aussi vous verrez pour finir, c'est le même rabat, pour finir les manches.
Quand on reprend les mailles des manches, on tricote les manches en circulaire cette fois-ci, type petit diamètre, donc aussi bien avec la technique du magic loop ou avec les, des aiguilles double pointe ou avec des mini circulaires, la technique que vous préférez, cela fonctionne. Et on réalise des diminutions régulières tout au long de la manche, qui fait que la manche est assez fitée, c'est-à-dire qu'elle est assez proche du... il n'y a pas beaucoup d'aisance au niveau de la manche. Et on termine donc le bas de la manche, le poignet, par une large bande, vous voyez, de la même hauteur. Je crois qu'elle est même un petit peu plus grande que assortie au bas du corps, c'est-à-dire au point mousse, avec le même type de rabat conseillé pour arriver à avoir un rabat assez joli et élastique. En sachant que la manche, le poignet de manche est quand même assez large pour ce cardigan. Il vous reste plus qu'à relever les mailles de l'encolure à la fin et à former le petit col qui est un tout petit col pas très haut en point mousse, et c'est sur ce col que vous allez placer la boutonnière la plus haute du gilet. Donc moi c'est pareil, je vous donne toutes les indications dans le patron pour vous dire à peu près à combien placer les boutonnières. Bien sûr, si vous rallongez, il est possible qu'il y ait une petite différence qui se crée sur la fin, mais à vous de voir comment vous voulez placer votre boutonnière. Je crois que je donne aussi quelques indications de toute manière à ce niveau-là. Donc, je vais juste le décrocher pour vous montrer un peu plus en détail le gilet, en sachant que je voulais vous parler surtout du matériel que j'ai utilisé, plus particulièrement du fil. Alors ce n'est pas moi qui ai tricoté ce sample, c'est Nathalie hein, qui est une cliente de la boutique Lanae, qui est une très très bonne tricoteuse, qui est aussi une professionnelle dans le milieu du tricot, et qui m'a gentiment tricoté le sample pour la boutique d'Anna. Il est tricoté dans deux fils ensemble, tenus ensemble. Il s'agit de la javole de langue, qui est la laine, ce qui est la qualité chaussette de langue, qui est une qualité, là c'est la javole unie de langue, avec un brin de fil lace mohair de langue yarn également. La particularité, j'espère que vous arrivez bien voir parce que la luminosité est pas top aujourd'hui. On a eu les premiers flocons de neige ce matin, pour tout vous dire, donc ça y est, nous sommes bien rentrés dans l'hiver ici en Savoie. La particularité, c'est qu'il donne un effet un petit peu chiné, je ne sais pas si vous voyez, voilà, chiné, marbré, parce qu'on a choisi d'associer un fil mohair plus foncé que le fil chaussette, que la javole de langue. Ce qui donne, moi je trouve que ça fait un tissu, mais très très intéressant et très sympa. Et alors l'avantage, c'est que là on travaille sur des laines commerciales, qui sont à la fois de très belle qualité, mais tout à fait accessibles. Parce qu'on sait, on va pas se mentir, hein, mais quand on tricote un vêtement qui utilise autant de quantité de laine que de quantité de fil mohair, tout de suite ça peut revenir à des budgets vraiment conséquents si on utilise des laines de teinturier indépendant. Donc voilà, voyez le détail du raglan, la petite encolure ronde, c'est une encolure ronde, assez proche du cou. Je vous insérerai peut-être des photos que vous voyez porter sur moi, ce que ça donne. Voilà, pareil au point mousse. Les petits boutons sont également des petits boutons que vous pouvez trouver. C'est des boutons 12 mm de Atelier Brunette que Anna de Lanae vend également dans sa boutique. Donc tout à fait possible aussi si vous voulez associer vos... sortir vos boutons à la laine choisie chez Lanae. Donc voilà pour le gilet gentiane. En termes d'éléments techniques, c'est un... Alors je vais reprendre mes notes. Pardon, excusez-moi, je vous parle en vous tournant le dos, c'est n'importe quoi. Donc je me remets en place. En termes d'échantillon, je vais vous dire tout de suite en quoi il consiste. Un échantillon de 24 mailles. Donc il est tout à fait possible, si vous souhaitez ne pas tricoter le gilet avec deux fils tenus ensemble, de tricoter ce même gilet. D'ailleurs j'ai une testeuse qui a fait ce choix là en fil sport, ou alors dans une fingering un peu gonflante, voilà, qui n'est pas traitée. Je sais qu'elle l'a, il me semble, pas dire de bêtises, qu'elle l'a testé en numéro 1 de Maison Septembre, qui est un fil qui gonfle bien. C'est pas un fingering voilà, qui est tout fin, plus proche du fil chaussette. Donc là, c'est tout à fait possible d'utiliser qu'un seul fil si vous choisissez un calibre sport. En tout cas, l'important, c'est d'obtenir l'échantillon de 24 mailles.
Et après, au niveau des tailles, je vais pas dire bêtise, je crois que j'ai gradé 7 tailles, de la taille 91 de tour de poitrine sur le vêtement terminé jusqu'à la taille 126 cm de tour de poitrine sur le vêtement terminé. Et comme je disais, au niveau des techniques de tricot, c'est très facile. Vous avez deux points, le jersey en droit, le point mousse, qui se travaille aussi bien à plat qu'en circulaire. Et vous avez, il faut vraiment pour faire ce patron avoir l'habitude des rangs raccourcis à l'allemande. Mais c'est pareil, je vous ai mis une vidéo tutoriel dans le patron, donc il est tout à fait possible de découvrir et d'apprendre à les faire en faisant ce patron-là. Et après, bah, il faut savoir faire des augmentations intercalaires, torse, pour faire les raglans. Mais voilà, c'est tout. C'est vraiment pas un patron difficile. C'était l'objectif de ce modèle, c'est de permettre d'offrir quelque chose de facile à tricoter, qui s'intègre très facilement aussi, très simplement à votre garde-robe. Donc il est sorti sur ma boutique Ravelry et sur ma boutique Etsy le 16 novembre et il est actuellement au prix de 8,01 euros. Ne me demandez pas pourquoi 0,1, ça c'est les calculs de Ravelry. Je ne crois pas dire de bêtises, d'ailleurs je suis très embêtée mais je peux rien y faire. Je crois qu'il est à 8 euros tout pile, parce que mon objectif c'était de le mettre à 8 euros mais qu'il doit être à 8 euros tout rond sur Etsy et qu'il est à 8,01 sur Ravelry, mais je ne sais pas comment calcule Ravelry pour pas arriver à mettre un prix rond. Il faudrait que voilà, les geeks du tricot et de l'informatique peut-être pourront me dire comment je pourrais améliorer ça pour que je puisse avoir des prix tout rond en euros sur ma boutique Ravelry. Donc voilà pour le gilet gentiane, j'espère qu'il vous plaît et qu'il vous donnera envie de le tricoter. Voilà aussi pour mon premier ouvrage terminé et ma première sortie de patron qui a déjà eu lieu. Je vais vous parler maintenant de mon deuxième ouvrage terminé. Le deuxième ouvrage terminé, c'est également un design, comme je vous expliquais, hein, ça va être essentiellement ça aujourd'hui, c'est un de mes designs, c'est ce que je porte. Il est là sur mes épaules, c'est le cas de le dire, puisqu'il s'agit du shrug Agatha. Donc shrug, c'est en français, je crois qu'on dit chauffe-épaule, je vais pas dire de bêtises. Donc c'est un... Comment expliquer ça? C'est un drôle d'accessoire qui se situe entre le boléro et le châle en fait. On pourrait dire ça, et l'étole. Voilà. Je me lève pour vous montrer. Voilà, en mouvement, ce que ça donne. Le contexte de ce design, je crois que je vous en avais parlé rapidement dans un épisode précédent, c'est un partenariat que je fais avec la teinturière Cathy, qui est de la marque Une ou deux mailles. C'est une de mes testeuses très fidèles testeuses depuis mes débuts, Sandrine. Coucou Sandrine, si tu passes par ici, je t'embrasse. Qui nous a mis en contact, Cathy et moi, puisqu'elle avait très envie de nous faire nous rencontrer et voir ce que ça pouvait donner notre rencontre. Et ce modèle-là, je l'avais déjà en tête depuis quelques temps, donc je lui ai proposé, voir si elle était d'accord pour partir sur ce type d'accessoires vêtements, je ne sais pas trop comment appeler ça, ce shrug. Et il se trouve qu'elle a une qualité dans sa boutique qui me faisait de l'œil depuis longtemps, c'est sa qualité scandaleuse, qui est composée à 50% de mérinos et 50% de mohair. Et alors, je n'ai pas été déçue du tout quand j'ai reçu les échevaux, mais c'est un vrai bonheur à tricoter. C'est un fil extrêmement doux qui a l'avantage de ne pas être trop élastique, c'est-à-dire de ne pas bouger après blocage. Il tient bien en place. Il a un léger halo. Je ne sais pas si vous allez voir, hein, parce que j'ai vraiment pas beaucoup de lumière. Voilà, on va essayer de se mettre au-dessus de la lampe, peut-être ça vous donnera une idée. Donc il a le léger halo du mohair, mais il a une très belle définition point liée, je pense, ça c'est le mérinos. C'est vraiment un fil qui glisse tout seul sur les aiguilles, mais qui glisse pas trop non plus. Enfin bon, bref, j'ai adoré tricoter cette qualité. Et moi j'ai choisi donc deux couleurs pour réaliser ce shrug Agatha. La couleur la plus foncée, voilà, qui prend, on va dire, toute la place, la couleur principale, c'est la couleur acajou, alors que la couleur plus claire, c'est le coloris cappuccino. Voilà, je sais pas. Alors, je suis vraiment désolée, mais aujourd'hui, j'essaye d'être au maximum à la lumière du soleil, du soleil,
Oui, du soleil caché, bien bien caché derrière les nuages. Donc à la lumière du jour, j'ai vraiment pas voulu mettre de lumière artificielle pour que vous vous rendiez compte de voilà, des couleurs réelles. Vous voyez que c'est un travail de teinture où on a énormément de nuances sur les chevaux, les écheveaux, c'est très très beau. Et alors, qu'est-ce que c'est que cette bête, ce shrug, ce chauffe-épaule? C'est très facile à tricoter. Vraiment, c'est l'avantage par rapport à un cardigan ou... Je ne vous cacherai pas que c'est long, par contre, parce que c'est une... Voilà, il y a énormément quand même d'ampleur. Il faut l'aborder comme si on commençait à tricoter une étole. Et ensuite, on va lui rajouter des manches. Voilà, je pense que c'est la meilleure façon d'aborder ce design-là et ce patron-là. Donc c'est vraiment quelque chose à mi-chemin entre l'accessoire et le vêtement. On le construit d'abord de cette manière. On va tricoter un grand rectangle qui va correspondre vraiment à notre ampleur de dos. Hein. Voilà, on va le retrouver ici. C'est un grand rectangle qu'on commence d'abord par la première couleur qui est là. C'est celle-ci, parce qu'on va commencer par... En fait, il est dans ce sens-là. Voilà, il est comme ça, le rectangle. On le tricote dans ce sens-là. On commence par cette bande de côte torsadée, dans le coloris contrastant. Puis, on va continuer sur le même nombre de mailles. Donc, on a énormément de mailles hein, au début qu'on monte sur les aiguilles. Et on va continuer en montant comme ça, à tricoter le corps de ce rectangle dans un point texturé, voilà, qui utilise la technique des mailles croisées. Et en même temps, sur le côté de ce rectangle, on va avoir une bande, voilà, qui est là, c'est celle-ci, avec un motif de torsade dans l'autre coloris, dans le coloris contrastant. Et là, pour pouvoir tricoter tout en même temps, puisqu'on a deux coloris en même temps sur les aiguilles, on va tricoter avec la technique du tricot intarsia. Alors, pas de panique, c'est super facile. Je vous ai mis d'ailleurs une petite vidéo qui vous explique très bien dans le patron comment on croise les fils pour faire en sorte qu'on ne se retrouve pas avec une séparation entre les deux couleurs. Et on fait ça, on monte ce rectangle et on termine à nouveau par la même bande de côte torsadée dans le coloris contrastant. Quand on rabat toutes les mailles et quand on a fini de tricoter ce grand rectangle, je vous conseille d'ailleurs de le bloquer car ça sera plus facile ensuite pour pouvoir réaliser les coutures et les manches. Couture, pareil, pas de panique, ce sont des coutures très simples. Je vous mets dans le patron une vidéo qui vous montre comment plier. Donc il y a un pliage à faire de votre rectangle pour obtenir cette forme que vous avez là. Et vous allez faire une couture, c'est pareil, je vous ai mis une vidéo pour vous expliquer comment faire la couture invisible. Donc, alors, pas de panique, vous allez voir que la couture, c'est ça. Et c'est ça, c'est tout. Donc, vous allez avoir 20 cm de couture et 20 cm de couture de l'autre côté. C'est vraiment pas grand-chose, n'ayez pas peur si c'est juste ça qui vous fait peur dans ce modèle alors qu'il vous plaît. Vraiment, c'est pas du tout difficile de faire une couture, voyez. Donc c'est ces coutures de dessous de bras, entre guillemets, qu'on va venir faire. Et on va laisser au contraire l'ouverture ici, deux ouvertures qui vont être pour passer les bras. Et quand on a fait ce pliage, ce montage et cette petite couture-là, il nous reste à relever les mailles autour des ouvertures de bras. Voilà, hein, qui correspond à là où vous avez de toute façon la torsade ici. Voilà, vous allez relever les mailles tout autour. Avec le premier coloris, on va faire la première partie de manche avec des diminutions régulières sur l'avant-bras. Alors là, je vais essayer de mettre parce que j'ai une robe dessous qui ne rend pas honneur du tout au... voilà, j'ai des manches bouffantes donc ça ne fonctionne pas. Voilà, vous voyez bien comme il faut. Il y a une deuxième partie, on change de coloris à nouveau, on reprend le coloris contrastant. Une première partie de côte toute simple. Et on finit avec les mêmes types de côtes que l'on a ici au tout début sur le rectangle. Voilà, ce qui permet d'avoir une manche un peu, voilà, qui va venir un petit peu bouffer comme ça
Et alors l'avantage, hein, c'est pas si vous avez remarqué, mais c'est quand même super, c'est que vous avez que ça comme manche à tricoter. Donc bien sûr, elle se tricote en circulaire. Encore une fois, vous pouvez choisir votre technique préférée, le magic loop, les mini circulaires ou les aiguilles double pointe. Ça n'a pas d'importance pour venir tricoter vos manches. Et alors là, ça va, mais super vite. C'est-à-dire vraiment le plus gros, c'est que quand vous avez fait le grand rectangle, après le reste, vous avez quasiment terminé. Ces deux bouts de manche, ça va super vite. Je vous indique également dans le patron que vous pouvez allonger les manches ou raccourcir les manches comme vous le souhaitez, c'est important. Moi, je vous recommande que quand même la bordure là que vous avez ici avec la torsade ici vienne bien se caler dans le pli du coude pour que vous ayez une bonne idée après de comment faire les manches. C'est ça qui va permettre à votre shrug, à votre chauffe-épaule, de bien tenir sur vos épaules. Alors bien sûr, ce n'est pas un gilet, donc il n'est pas taillé, il n'est pas modélisé pour venir se fermer comme ceci ou se boutonner. C'est pas le but. À la rigueur, peut-être sur le bas comme ça, mais après vous n'allez pas être libre de vos mouvements. C'est pas l'objectif, c'est pas ça. L'objectif, c'est vraiment d'avoir comme une étole tout le temps sur les épaules, qui ne bougent pas puisqu'elles sont, voilà, grâce aux manches, voilà, qui permet de tout maintenir. Donc voilà, là je peux, vous voyez, je peux m'envoler sans problème et tout, le shrug il tombe pas, il reste bien sur mes épaules. Et je trouve que c'est l'accessoire parfait quand on est dans son canapé ou devant son ordinateur quand on travaille et qu'on a un peu frais, hop, on l'enfile, on se soucie plus de rien. C'est un confort, c'est très agréable et contrairement au châle qu'il faudrait ajuster sans arrêt, voilà. La différence, c'est que cette fois-ci, c'est la partie devant qui n'est pas couverte. Vous avez vraiment quelque chose qui vient réchauffer votre dos, qui vient bien réchauffer vos reins parce qu'il descend quand même assez bas sur les reins. Voilà. Et alors avec cette laine qui est fine, hein, qui est pourtant une laine fingerine, mais elle est tellement chaude avec le mohair que ça apporte tout de suite le confort dont on a besoin quand on est en position statique et assise toute la journée. Donc voilà pour le shrug Agatha. J'espère que c'est un design un peu particulier. J'espère qu'il vous plaira et que vous aurez envie de le tricoter. Le patron, si tout va bien, va sortir le vendredi 3 décembre. Voilà, donc vendredi prochain. Et que je ne vous dise pas de bêtises, pareil, je reprends mes notes. Il est proposé en 4 tailles seulement, puisque comme ce n'est pas un vêtement, c'est vraiment, il faut le voir comme un accessoire. La gradation qui était importante, c'était quand même au niveau de l'ampleur, voilà, et au niveau des manches, bien entendu, au niveau des bras. Mais il n'y a pas beaucoup de... Voilà, c'est vraiment... plusieurs tailles peuvent rentrer dans ces 4 tailles sans problème. En sachant que pour choisir votre taille, je n'ai pas mis le tour de poitrine sur vêtements terminés, puisqu'on ne peut pas dire qu'il y a vraiment de tour de poitrine. Mais j'ai quand même indiqué pour que vous puissiez choisir votre taille, qu'il faut la choisir en fonction de votre tour de poitrine à vous. Moi, par exemple, qui fait un tout petit 84 cm de tour de poitrine, ben, j'ai choisi la première taille qui convient à, soit je crois, 75 à 90 pour commencer sur la première taille. Et ainsi de suite, comme ça, c'est par tranche de votre tour de poitrine à vous. Et moi, j'ai fait le calcul nécessaire pour que vous ayez, voilà, l'aisance carrure d'eau derrière. Voilà, ça, c'est mon problème. Mais pour vous simplifier les choses, je vous ai mis... Simplement pour choisir la taille, choisissez-la par rapport à votre tour de poitrine à vous. C'est un peu particulier par rapport aux autres façons de faire. Mais là, comme c'est pas un vêtement, que c'est quelque chose entre l'accessoire et le vêtement, c'était plus facile pour moi de vous le proposer de cette manière. Donc le patron sortira le 3 décembre. Il sera au prix de vente de 7 €. Mais il y aura, comme toujours, la remise de 15% pour fêter son lancement. Et donc ce qui revient donc à 5,95 € du 3 au 10 décembre pour acheter si vous souhaitez acheter le patron. Il sera bien sûr sur ma boutique Ravelry et sur ma boutique Etsy. Et Cathy de Une ou de Maille vous proposera des kits de laine sur sa boutique en ligne pour pouvoir tricoter le shrug dans la même qualité que la mienne, qui est une qualité scandaleuse. Mais elle est vraiment juste... Elle porte très très bien son nom, c'est une qualité qui est très très agréable et à tricoter
et à porter. Bon, voilà pour le deuxième ouvrage terminé qui est mon design, le Shrug Agatha. Troisième ouvrage terminé, qui n'est pas vraiment un seul et unique ouvrage, mais voilà, trois petits ouvrages. Alors là, on est complètement dans les accessoires cette fois-ci. C'est un petit set de bonnets, donc une petite collection, une mini collection de bonnets que je vais sortir là au mois de décembre. Et à nouveau, il s'agit de venir compléter la petite collection de ma garde-robe au quotidien. Et l'idée, c'était de vous proposer des bonnets très faciles à tricoter dans trois épaisseurs de fil différentes pour voilà, faire en fonction de la saison, de là où vous vous situez aussi, de là où vous habitez. On n'a pas tous les mêmes besoins pour tricoter son bonnet. On peut avoir besoin d'un bonnet très chaud, au contraire d'un bonnet léger. Voilà, ça vous donne la possibilité d'aller vers des épaisseurs de fil différentes. Les points communs de ces trois bonnets sont qu'ils se tricotent tous du bas vers le haut. Voilà. Je vous les détaillerai après individuellement. Qu'ils se tricotent en circulaire, qu'ils ont tous il y en a deux qui ont un revers, un qui n'a pas de revers, et se terminent tous par une couronne sur le haut du bonnet. Et qu'est-ce qu'ils ont d'autre en commun? Je ne vais pas dire de bêtises. Ah oui, une chose importante, qu'ils sont tous les trois gradés en trois tailles. En tour de tête, 54, 56 et 58 cm. En sachant qu'en général, 54, ça correspond soit à des ados ou enfants. Hein, des enfants à partir de 11 ans, en général, peuvent faire 54 de tour de tête, voire plus. Et 56, c'est en moyenne le tour de tête d'une femme. Et 58, une tour de tête, ça peut correspondre à des tours de tête un peu... C'est pareil, adultes, mais un peu plus importants. Voilà. Faut vraiment que je reprenne mes notes parce que je voudrais ne rien oublier pour ce qui concerne... Ah oui, six autres points communs entre ces trois bonnets, c'est-à-dire que moi je vous indique... On n'y voit vraiment rien. Je vous indique comment la hauteur sur la taille, une hauteur indicative, on va dire moyenne, pouvoir un effet pas trop... Alors, ni en boitant ni slouchy, c'est-à-dire entre les deux, mais rien ne vous empêche de les rallonger. Et je vous explique comment rallonger... super ce petit fil qui dépasse que je n'ai pas coupé. Comment rallonger, les trois bonnets. Donc c'est possible pour les trois modèles de rallonger vos bonnets si vous les souhaitez un peu plus slouchy, c'est-à-dire qu'ils tombent un peu plus derrière la tête. Alors, je vais les décrire un petit peu plus individuellement. Le premier, le plus fin. Il s'agit de celui-ci, que j'ai appelé le bonnet lisse martagon. Pareil, il s'agit d'une fleur de montagne, une fleur des Alpes plus particulièrement. Et ce bonnet est tricoté en épaisseur sport dans un échantillon de 24 mailles avec, comme tout à l'heure pour le gilet gentiane, il est tricoté en double avec un fil de javol et un fil de lace mohair de Langyarns également. Donc pareil, j'ai fait le même choix, c'est-à-dire que j'ai pris un fil plus clair en javol et un fil d'un ton plus foncé pour le mohair, pour le lace mohair. Donc ce qui donne cet effet un peu marbré, chiné. On commence par en bas, par cette bande au point mousse, puis ensuite on va tricoter tout le corps du bonnet dans le motif, vous l'avez peut-être reconnu, il s'agit du motif hirondelle que j'avais utilisé notamment dans mon gilet ginger que vous avez beaucoup aimé. Mais cette fois-ci, ce motif se tricote pas de la même manière puisqu'il se tricote du bas vers le haut, alors que dans le ginger, il se tricote du haut vers le bas. Mais pas d'inquiétude, je vous ai mis une petite vidéo dans le patron pour savoir comment le réaliser dans ce sens-là. Ensuite, quand on a terminé le corps du bonnet, on vient faire une couronne, on vient faire placer des diminutions, mais là la partie est tout en jersey simple. Voilà, on quitte le motif pour réaliser la couronne avec des diminutions, ce sont des GGT, hein, ce sont des diminutions qui penchent à gauche toutes. Et on se retrouve avec un nombre de mailles
à la fin qu'on vient, dans laquelle on vient passer l'aiguille à laine, on vient passer le fil de la pelote pour fermer complètement son bonnet. Donc voilà pour le modèle Lise Martagon et la description de celui-ci. Donc pareil, si vous ne souhaitez pas le tricoter avec deux fils, non mais j'ai vraiment, j'ai rentré mes fils mais je les coupe pas en fait. Voilà, il va falloir quand même que je songe à les couper maintenant, ça serait bien. Donc pardon, je disais que vous n'êtes pas obligé de les tricoter avec deux fils tenus ensemble. Vous pouvez tout à fait le tricoter avec un fil de calibre sport qui vous donnera un échantillon de 22 mailles. L'important c'est de respecter l'échantillon. Je sais que j'ai des testeuses là, ils sont en test actuellement. Il y en a pas mal qui ont fait des choix de fils quand même qui restent poilus, soit avec de l'alpaga, soit voilà avec un fil un peu plus comme du Wensleydale ou des choses comme ça qui donnent un effet, un joli halo à ce modèle. Donc je vais vous l'enfiler quand même pour vous donner une idée de ce à quoi ça ressemble. Portez. Voilà, j'aurai une belle coiffure à la fin de l'épisode. Voilà, ça vous donne une idée de comment il tombe. Comme je vous disais, il est pas vraiment slouchy, mais il est pas non plus complètement emboîtant. Rien n'empêche après, si vous souhaitez, de le rallonger. Voilà pour Lise Martagon. Ensuite, le deuxième. Il s'agit de... On va aller vers du plus en plus chaud et de plus en plus chaud, de plus en plus épais. Il s'agit du bonnet digital. Pareil, jolie fleur des Alpes. Donc là, c'est un modèle qui est en tricoté dans un fil de calibre worsted. Là, moi, j'ai tricoté ce sample-là, ce prototype-là, dans le fil, je dis pas de bêtises, super tweed de Fonti. Alors, ce que j'ai pas précisé, mais pour moi c'était évident, comme ma collection Ma Garde-Robe au quotidien, c'est en partenariat avec l'Anaé Tricot à Grenoble. Ce sont tous des fils qu'on peut retrouver dans sa boutique et de toute façon, elle proposera les kits pour réaliser chacun de ces petits bonnets. Donc là, pareil, la Super Tweed de Fonti, vous pouvez la retrouver sans problème chez l'Anaé Tricot. Il se tricote cette fois-ci. Je vais les déplier pour vous montrer. Pareil, du bas vers le haut, on commence par faire un une grande bande de côte torse. Alors attention, il s'agit bien de côte entièrement torse, puisque l'idée, c'est de le retourner ensuite, d'en faire un revers. Et pour qu'elle soit totalement réversible, il faut que les côtes soient entièrement torse, c'est-à-dire que toutes les mailles sont tricotées torse, aussi bien les mailles en droit que les mailles en vert. Et ensuite, on vient placer un motif de torsade sur jersey en vert. C'est un motif de torsade en relief, ce qui explique que vous avez des interstices entre les branches de la tresse qui soient en maille en vert pour bien faire ressortir votre tresse. Et cette fois-ci, la couronne, les démissions de la couronne sont intégrées directement au motif de torsade, ce qui fait qu'on ne les voilà, on ne voit pas les diminutions puisqu'elles sont intégrées directement dans le motif. Ce qui forme une couronne assez jolie. Et pareil, on finit par un petit nombre de mailles dans lesquelles on vient passer l'aiguille avec le fil pour refermer le trou en haut du bonnet. Donc, ça a l'avantage d'être un bonnet un peu plus chaud puisque c'est, avec le revers, il vient bien couvrir les oreilles. Je vais vous l'enfiler également. Voilà. Donc vous voyez que le motif s'écarte bien quand on met le bonnet sur la tête. Et rien ne vous empêche, si vous préférez un peu plus slouchy, bien sûr, de le rallonger. C'est une laine qui est très douce, qui est très agréable. Je vous la recommande aussi. Vraiment, elle est très très... Il y a beaucoup de coloris. Bon, moi, je ne sais plus, là, le coloris, c'est un joli beige, mais il y a plusieurs coloris très sympas chez Fonti en Super Tweed. Donc voilà pour le bonnet digital, pareil que l'autre, en trois tailles. Vous voulez en tricoter pour toute la famille, c'est tout à fait possible. Ensuite, encore plus épais, là ça correspond bien à nos besoins, nous, dans les Alpes, ou quand on va au ski par exemple, d'un bonnet très très chaud, puisque celui-ci est en épaisseur bulky. J'avoue que j'ai rarement tricoté des laines aussi épaisses. Voilà, donc ça c'est vraiment le modèle le plus facile
est le plus rapide à réaliser. Celui-ci n'a pas de bordure. On commence tout de suite par réaliser ce qu'on appelle c'est des côtes 4-2 coupées. Voilà, ce qui donne cette impression qu'en fait il y a comme une torsade tout au long des côtes, mais en fait non, c'est une façon, vous voyez, de les faire avec une technique de maille croisée, c'est très facile. Et on fait ça jusqu'en haut, et c'est pareil, les diminutions sont intégrées dans la couronne, comme vous pouvez voir là, et on termine avec quelques mailles, on vient fermer le trou en haut du bonnet. Donc celui-là, vraiment, sans vous mentir, en un dimanche, vous pouvez le réaliser, mais sans problème. Je vais vous le passer. Voilà, donc je l'ai fait un peu plus slouchy celui-ci parce que je trouvais que c'était plus le style. Mais à vous d'adapter, de voir comment vous préférez le porter. Et alors, la laine que j'ai utilisée, c'est la qualité Hope, H-O-P-E, de la collection. C'est chez Lang Yarns et c'est Wool Addict. Voilà, c'est leur collection Wool Addict. Et c'est de la pure laine, 100% laine, mais elle est extrêmement douce. Alors je sais pas... Ah, j'ai pas regardé l'étiquette, mais je sais plus quel type de laine c'est, mais c'est de la laine super douce, qui est un petit peu, on dirait, qui est comme un peu de la laine soufflée. C'est un filage un peu particulier, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est pas un fil mèche, ça pourrait ressembler à un fil mèche, mais ce n'est pas un fil mèche. On dirait presque de la laine... soufflé. Donc ce qui fait qu'elle est vraiment, il est très léger, il n'est pas du tout lourd, il est super super agréable. Ça c'est le bonnet parfait, cadeau de dernière minute. Hein. Ça fonctionne sans problème, tellement il est facile à monter. Donc voilà, celui-ci c'est le modèle renoué. Pareil, qui est une jolie fleur qu'on trouve dans les alpages. Pas renoué du Japon, hein. C'est la renouée des Alpes, c'est pas la même chose. Donc voilà. Pour les 7 des 3, ce petit set de 3 bonnets. Alors, si tout se passe bien, les patrons de ces 3 bonnets sortiront le 10 décembre, à la fois de manière individuelle, et vous pourrez aussi, si j'y arrive, acheter l'e-book qui comprend les 3 patrons. Anna de Lanare va aussi mettre en place les kits sur sa boutique à partir du 10 décembre. Donc de toute façon, j'aurai l'occasion de vous en parler à nouveau sur les réseaux sociaux lorsque ces 3 modèles vont sortir. Voilà pour le petit set de bonnets pour notre garde-robe au quotidien. J'espère que voilà, il vous plaise bien et que vous aurez envie d'en tricoter au moins un des 3. Et ben voilà pour mes ouvrages terminés. Et voilà aussi... J'ai terminé mon année de design Mademoiselle Petroni 2021. Je vous parlerai de mon prochain design maintenant sur l'année 2022, pas avant janvier. Donc promis, je vous parlerai sûrement d'autres ouvrages terminés, mais qui sont plus des ouvrages perso dans le prochain épisode. Merci beaucoup d'avoir regardé toutes ces sorties de patrons. Et puis maintenant, je vais regarder avec vous ce qu'il y a dans mes sacs en cours, que je fasse un petit peu le point de savoir quelle stratégie aborder pour finir tous mes en cours avant la fin de l'année. Alors le premier, c'est le plus gros, un petit sac en cours, c'est un sac en cours que j'avais tricoté, que j'avais cousu moi, hein, rien de bien particulier. Alors c'est le plus ambitieux, la plus grosse pièce, c'est le pull puff pur. Oh, je sais pas comment on dit, Pure Fuzz en anglais, dites-moi, corrigez ma prononciation catastrophique, Pure Fuzz en français, voilà, qui est un modèle de Skandernitz, qui est une créatrice norvégienne qui vit à Londres. Donc voilà, j'en suis là, j'arrive bientôt au bout de ma première manche. Donc, écoutez, hein, vraiment, il ne devrait pas y avoir de raison. On va finir cette manche ce week-end. Et puis, je pense que pour les fêtes, on va dire que ça va terminer. Il me reste à monter ensuite encore les mailles pour faire l'encolure en côte 1-1. Et puis, comme je vous expliquais, c'est un modèle qui m'a interpellée parce qu'il avait une combinaison de manches continuous et à la fois de manches marteau. C'est une combinaison des deux techniques. Comme on voit ici, je ne sais pas si vous allez bien voir,
voilà la forme, et que moi je trouvais qu'il y avait trop de... C'est trop ajouré au niveau du... voilà, de la, des augmentations. Donc j'ai repassé, j'ai mis une petite chaînette au crochet pour venir corriger cet espacement de maille. Mais je pense que ça vient entièrement, c'est entièrement de ma faute. C'est parce que j'ai choisi de déjauger en fait le, mon fil pour pouvoir avoir l'échantillon recommandé pour faire ce, ce modèle. Ce modèle que je tricote dans la qualité sable de, des laines du Valgaudemar. Voilà, dans le coloris framboise et gingembre. Donc oui, objectif, vraiment terminer ce pull pour les fêtes parce qu'il est très doux, très douillet et il va être bien chaud puisqu'il est composé de laine et d'angora. Voilà pour mon premier en cours que vraiment il va falloir absolument terminer le plus rapidement possible. Deuxième. Deuxième sac. Qu'est-ce que... Ah oui, mais oui. Alors ça c'est l'en cours qui est venu se rajouter. Mais bonne nouvelle, j'en ai terminé la moitié. Donc on peut dire qu'il est à moitié terminé. Il s'agit des jolis slippers, hein, des jolies petites pantoufles. C'est le patron qui m'a été offert par, avec les laines par Anna dans le cadre de notre, notre échange, notre swap d'automne. Voilà, donc j'ai terminé la première petite pantoufle. Il s'agit du modèle, je vais vous donner le nom, des LV Slippers. Voilà, qui est un patron de... qui est tout en anglais par contre, de Kaisa Vuorella. C'est pareil, je ne suis pas du tout sûre de la prononciation. Mais de toute façon, je vous mettrai comme d'habitude les notes de tout ce dont j'ai parlé en bas de la vidéo, dans la petite, dans le petit espace de description en dessous de la vidéo. Donc j'ai trouvé ça mais vraiment super sympa à tricoter, hyper agréable. Et je les tricote dans les laines Fonti Nimbus que j'avais jamais, jamais tricoté, dont j'ai beaucoup beaucoup, alors là pour l'instant que du je suis 100% conquise par ces fils qui est un, donc c'est un fil sport, le calibre sport, mais que là je tricote de manière plus serrée hein, en aiguille 3 mm pour pouvoir obtenir un échantillon, je vais pas dire de bêtises, mais de 28 mailles, mais ce qui est nécessaire puisque l'idée c'est d'avoir des chaussons qui soient bien, voilà, avec un tissu bien, bien dense, pour qu'ils soient bien solides et qu'ils résistent bien. Mais alors super, ce jacquard est vraiment hyper addictif, très facile et il convient tout à fait aux débutants. Et alors c'est l'avantage, c'est qu'il peut, moi je les tricote en magic loop hein, et c'est tout à fait possible puisqu'on a des séparations là sur les côtés, ce qui fait qu'on n'a pas de continuité de motif au niveau de la séparation des, du câble. Et ça pose pas de problème pour réaliser le jacquard. Vraiment, ça convient tout à fait. Moi, je pense que c'est un bon patron pour débuter le jacquard. Alors, quand est-ce que je vais faire la deuxième... Alors ça, j'avoue, je pense que je vais le mettre un petit peu de côté et que je le finirai sûrement. Je ferai ma deuxième pantoufle sur mes congés au mois de janvier. Ça ne va pas être une priorité, celui-ci. Ensuite, alors c'est celui-là, celui-ci, il est ultra prioritaire parce qu'il vient juste, je viens juste de le monter sur, alors c'est le dernier que je viens de monter et de mettre sur mes aiguilles. Il s'agit d'un bonnet. C'est un cadeau que je vais offrir pour un ami pour son anniversaire. Il s'agit du modèle gratuit en anglais sur Ravelry qui s'appelle le Skyping Beanie. Voilà, c'est un bonnet unisexe, hyper facile à réaliser. Taille unique, mais avec deux propositions de fil, soit en sport déca, soit en, en worsted. Moi, j'ai choisi de le réaliser en sport déca, dans un échantillon sport déca. Dans les laines, pareil, je n'avais encore jamais eu la possibilité de la tester. Et alors, c'est un vrai bonheur à tricoter, pardon, c'est la Vovo de Rosa Pomar. C'est le coloris 02 qui est un charbon, on va dire, hein. Coloris, un hein, gris charbon. Je ne sais pas si vous allez bien voir, qu'il n'y a pas de lumière. Mais ça sera parfait pour mon ami. L'idée, c'est vraiment qu'il voulait un bonnet slouchy tout simple. Voilà, donc il monte en bord côte, en côte 1-1 pendant à peu près 6 cm. Puis après, on passe en côte brisée. Côte 1-1 brisée sur tout le long du corps. J'ai pratiquement terminé la hauteur du corps du bonnet. Il va me rester à attaquer bientôt la, les diminutions
du bonnet sur le haut du bonnet. Donc non, ça c'est vraiment prioritaire de chez prioritaire. J'aimerais le terminer ce week-end parce qu'il faut que je l'envoie à Bordeaux ce cadeau. Donc pas que je tarde de trop pour qu'il puisse l'avoir pour son anniversaire. Donc ça c'est sûr, c'est quasiment un projet terminé à la fin de la semaine. Et puis, mon dernier roux. Alors ça compte pas vraiment, on a dit que ça comptait pas. C'est une paire de chaussettes. Donc c'est la paire de chaussettes que j'avais démarrée il y a longtemps maintenant, c'était je pense au mois d'octobre, en même temps que je donne mes cours de tricot. Donc c'est le modèle de... c'est des chaussettes à la vanille. Il n'y a pas de patron, c'est une recette de chaussettes que j'ai élaborées moi pour mes cours de tricot. Donc ils sont toutes, voilà, j'ai quand même bien avancé, j'ai pas pratiquement terminé celle-ci. Je vais essayer d'aller au bout de cette couleur. C'est des mini que j'utilise, des mini de chez Vilaine. Voilà, c'est que j'avais complètement craqué au moment de l'anniversaire de l'année cette année, puisque les noms étaient très évocateurs pour moi. Il y avait le coloris au fond des bois avec le loup et trouver l'écharpe du rouge-gorge. Donc celui-là, c'est le gris vert et celui-ci, c'est le rouge bordeaux. Et j'avais vraiment complètement craqué, puisqu'en fait, on retrouve dans un des coloris, dans le gris vert, des touches, voilà, de rouge bordeaux que j'ai utilisé pour les pointes, pour le talon, que je vais réutiliser pour les côtes. Et alors, je pense que ce que je vais faire sur ces chaussettes-là, c'est qu'au niveau des côtes, je voudrais un revers, en fait. Je vais faire des larges, très hautes bandes de côtes, surtout qu'il me reste quand même... largement assez pour ça. C'est pour une chaussette, j'en ai encore une autre pour l'autre chaussette, pour faire un grand bord côte que je vais mettre ensuite en revers, parce que je voudrais les mettre par-dessus mes bottines. Donc voilà, ça j'espère aussi les terminer avant la fin de l'année, parce que je me rends compte que j'ai vraiment besoin de chaussettes tricotées main. Je mets pratiquement que ça en hiver. J'ai du mal à porter les chaussettes en coton du commerce, que je trouve inutiles en fait, elles servent à rien. Donc, moi qui suis très frileuse, j'ai vraiment besoin d'avoir de la laine aux pieds. Bon, bah voilà, j'ai fait le tour de tous mes sacs en cours. Donc, j'en ai quand même 4 en cours en ce moment. Mais j'espère, le bonnet, il sera terminé d'ici la fin de semaine. Le pull, je vais le terminer à la fin de l'année. Pareil pour mes chaussettes. Bon, il me restera sûrement encore la pantoufle à faire. Mais ça sera pareil pendant mes vacances en janvier. Je pense que je le ferai en ce moment-là. Et après, j'aurai champ libre pour attaquer de nouveaux projets tricot. Et ben, avant de vous quitter, je vais faire la petite section coup de cœur. Et peut-être que là, ça me donnera des idées pour savoir ce que je vais mettre ensuite sur mes aiguilles en 2022. Alors, je prends mes notes pour ce qui concerne les coups de cœur du mois, parce que sinon, je veux dire, de mémoire, ça va être impossible pour moi de pas oublier quelque chose. Deux patrons tricot coup de cœur pour le mois de novembre. Tout d'abord, je vais vous mettre, hein, comme je mets d'habitude, des petites vignettes. Voilà, je vais pousser un peu. Je le mettrai des petites vignettes des modèles dont je parle. Le pull Yaeko d'Océane LM qu'elle a sorti début novembre, je crois. Et alors, ou fin octobre, je sais plus, mais j'ai complètement craqué. C'est un petit pull à empiècement circulaire, à manches courtes, comme vous pouvez voir, avec un jacquard sur l'empiècement circulaire. Et le jacquard est d'une finesse. J'adore cette finesse de motif. Et il est... dans le motif du jacquard, on intègre des petites perles, mais c'est fait de manière tellement subtile que je trouve ça raffiné, joli, c'est vraiment de très bon goût. Et j'ai une de mes testeuses d'ailleurs qui en a fait une version, c'est Chantal, elle a fait une version très très belle de ce petit pull. C'est donc tricoté en fil tenu ensemble, un fil chaussette de type fingering chaussette avec un fil de lace mohair. Pour obtenir un échantillon de 22 mailles, tricoté en 3,5, et ça ne nécessite pas trop de fil, puisque ça nécessite entre 924 à 1960 mètres au total de métrage de fil avec les deux fils. Et je crois qu'elle taille quand même, elle fait un bon nombre, il est inclusif comme patron, pas dire de bêtises. Donc le pull Yaeko d'Océane LM. Donc voilà, il est dans mes favoris, à voir si un jour j'aurai le temps et l'envie de tricoter. J'avoue que
J'ai pas de petit pull à manches courtes pour l'hiver, pourquoi pas? Alors l'hiver je dis pas, mais pour l'intersaison ça peut m'intéresser, ou alors vraiment le voir comme quelque chose sur lequel après je peux mettre une veste ou un gilet. Le deuxième patron, c'est un pull, le Single Mat de Maxime Cyr, donc c'est un pull unisexe, mais que moi j'ai très envie de tricoter pour mon compagnon, pour mon mari. Il s'agit, en fait je lui ai montré et il a trouvé complètement à son goût, ce qui est juste exceptionnel puisqu'il est particulièrement difficile. Donc je suis très contente et ça fait très longtemps que voilà, moi je me dis que maintenant je commence à en avoir plein mes placards, des pulls et des tricots, et qu'il serait temps que sur mes tricots perso je sois un peu plus généreuse. Et faire une pièce pour mon mari, ça me ferait très plaisir. Je sais qu'il a très envie que je le fasse dans une laine de teinturier ou teinturier indépendant, parce qu'il aime beaucoup les effets très chamoirés, en fait, des laines de teinturier indépendant. Donc je sais pas si ça sera possible, parce que là il se tricote quand même dans un fil de calibre Aran, avec un échantillon 18 mailles en aiguille 4 et 5 mm. Mais je réfléchis, peut-être je le ferai, parce que moi j'ai pas du tout envie de lui faire dans un fil de super wash. J'aimerais trouver un fil non super wash teint à la main. Et je sais qu'il y a des teinturières qui le font maintenant, des mérino non super wash teint à la main. Et sur des coloris, je pense qu'il lui plairait, donc mais en calibre DK. Mais il faut voir, il faut réfléchir. Après, il suffit de faire l'échantillon et de choisir la taille en fonction, sachant que mon mari est plutôt grand et mince. Donc il n'y aura pas de mal à ce que je lui tricote une taille au-dessus ou deux tailles au-dessus si nécessaire. Donc voilà pour mes deux coups de cœur patrons du mois de novembre. Donc le pull Yaiko d'Océane LM et le pull Single Mat de Maxime Cyr. Et mon autre coup de cœur qui n'a rien à voir ni avec le tricot, enfin si, ça a à voir avec le tricot, parce que moi c'est quelque chose qui m'accompagne dans mes séances de tricot, c'est-à-dire des podcasts audio. Et là il s'agit d'un podcast audio de Arte Radio qui s'intitule « Vivons heureux avant la fin du monde ». Je l'ai découvert il n'y a pas longtemps et j'avoue c'est devenu un de mes podcasts préférés. Et pourquoi? Parce que donc cette journaliste, elle interroge, elle questionne toutes nos incohérences et nos dissonances cognitives qu'on peut avoir dans notre quotidien face aux grandes crises actuelles, que ce soit les crises économiques, climatiques, écologiques, sociales. Elle part toujours d'un événement qui lui est propre dans ce quotidien, dans sa famille, que ce soit ses enfants, ses filles. Je sais qu'elle a fait par exemple un épisode que j'ai beaucoup aimé sur le smartphone et sur pourquoi à un certain âge les enfants réclament le smartphone et comment réagir face à ça. Et elle part vraiment de ses grands principes qu'elle peut avoir, ses grandes valeurs qu'elle a en elle, et puis comment elle se confronte au grand réel face à ça. Et elle va pour cela interroger des spécialistes, des chercheurs, des scientifiques pour l'aider à répondre et à trouver des réponses à ces questions qui la mettent en fait dans une forme d'inconfort, puisqu'elle est tiraillée entre ses grandes valeurs et l'idée de « oui mais moi je vis dans un monde moderne et comment je fais face à ça ?» Voilà, c'est que quel choix de consommation faire quand on a des grands principes mais qu'en même temps le grand réel il est là et voilà, ça me met dans une situation très inconfortable. Donc j'ai beaucoup aimé sa démarche et c'est voilà, c'est très agréable à suivre. Je crois qu'elle a fait quand même déjà une saison d'épisodes, elle en fait un par mois, donc il doit y bien avoir une douzaine d'épisodes de disponibles sur Arte Radio. Donc voilà pour mon dernier coup de cœur. Et j'en ai terminé pour cet épisode de podcast. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà, si vous avez des questions ou si vous avez des suggestions concernant mes vidéos. N'hésitez pas aussi à vous abonner ou à mettre un petit pouce en l'air, puisque ça aide toujours pour référencer ma vidéo sur YouTube. Je sais toujours pas s'il y a des publicités sur mes vidéos. Vous saviez que voilà, j'avais des grands questionnements par rapport à ça. N'hésitez pas à me signaler s'il y a des publicités. Sachez que ce n'est pas volontaire de ma part puisque je ne monétise pas ma chaîne. Mais voilà, YouTube
Et j'ai voilà, fait ce qu'il veut chez lui, ce qui est normal, et peut mettre des vidéos, des coupures publicité sur mes vidéos. Donc faites-le moi savoir, c'est très important, j'aimerais savoir si mes vidéos incluent des publicités. Et puis bah écoutez, je vous dis au mois prochain, fin décembre, pour un nouvel épisode de podcast, pour vous parler sûrement de tous mes encours que j'aurai. Terminé. Merci beaucoup et je fais de très belles créations. Je vous souhaite une très belle période de l'Avent. À bientôt.